20 mètres de tuyaux pour 300 tickets. Moyennant quoi, je garantis 3 heures de boulot à 3000 degrés. Tu récapitules, tu garantis, t'es un peu chouette. Primo, un homme de ma classe n'a jamais eu besoin de 3 heures pour déboucler un coiffiot. Deuxièmement, vu le monstre auquel je m'attaque, 3000 degrés, c'est à peine tiède. Je ne te cache pas, j'espérais trouver chez toi autre chose que de la quincaille. T'espérais quoi? Arsène Lupin en 12 volumes, le rayon vert, la baguette magique. Le nouveau bec à azote vinifié. C'est peut-être de ça que monsieur veut causer. Oh merde. Heureuse de te l'entendre dire. Mais ça, c'est pas l'outil de n'importe qui pour le prix de n'importe quoi. Ça, c'est une brique. Et sans le carburant. Oh merde alors. Tu te répètes un peu. Comprends-moi bien, Gertrude. Si j'avais débuté dans la vie avec du matériel pareil, Renassis et moi, on causerait de puissance à puissance. Malheureusement, je débute pas. Je serais même plutôt sur le point de raccrocher. C'est drôle, je m'étais laissé dire que c'était fait. T'avais tourné à Rennes, tu vivais des dames. Ça va pas comme tu veux? Disons que je fais un tour d'honneur. Qu'est-ce que c'est, ta folerie? Un Winter 53. Tu crains pas de viser un peu haut? Un Winter bourré à craquer. Et des branques tellement confiants qu'ils ont supprimé le système d'alarme. Oh, oh. La provocation. Mais Hartung, môme. Le Winter, c'est du spécial. Molybdène et titane. L'alliage infernal. La diablerie.